Le gouvernement ivoirien a adopté a donné son accord à la commission électorale indépendante ce mardi 30 juin pour rallonger la période de révision de la liste électorale. Une deuxième prorogation perçue par certains observateurs comme un échec de l'opération qui peine à avoir une réelle adhésion des populations. Ces 5 jours supplémentaires suffiront-ils pour susciter l'engouement autour de l'opération? Le dossier du Talk se penche ce soir sur cette importante phase du processus électoral. Longtemps cité comme potentiel candidat du PDCI à l'élection présidentielle de 2020, il a récemment annoncé qu'il soutenait la candidature d'Henri Conan-Bédié. Jean-Louis Billon est notre invité ce soir. Avec lui, nous parlerons de la vie du vieux parti et du processus électoral en Côte d'Ivoire. Et nous sommes mercredi, nous prolongeons la soirée à 21h avec l'After Talk pour une demi-heure d'interview à bâton rompu avec Jean-Louis Billon. Échange enrichissant, analyse pertinente, l'actualité sans filtre, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est à présent dans le Live Talk sur Live TV. Avec moi pour commenter toute cette actualité, ma team, la The Team, comme on la présente désormais, la Dream Team. À ma gauche, il y a Serge Kouachi. Bonsoir Serge. Bonsoir Brice. Ça se passe très bien. Super bien, content de vous retrouver. Ben oui, moi aussi. Non, la dernière fois, j'ai dit juste après, il y a rien là, si, mais je change un peu. Il y a le sourire de Sophie Aïda. Bonsoir Sophie. Bonsoir Brice. Ça va très bien. Ouais. Et puis la coiffure dont on parle depuis sur Internet, hein, de Edith Broubleu. Très important. Comment tu vas? Ouais, ça va très très bien. Et puis le sourire de Rayana aussi, bonsoir, qui illumine Brice. Notre plateau. Bonsoir. Toute équipe est en forme? Ça se passe bien? La pêche. On peut décortiquer, commenter sans filtre? On est d'attaque. Ça tombe très très bien. En tout cas, les faits marquants de l'actualité de ces 24 dernières heures, c'est dans le Live Actu. Et on va tout de suite commencer par cette fameuse démolition. On parle de démolition. Quelqu'un m'en parle déjà, messieurs? Je pense qu'il y a... La décision a été ferme, elle a été prise en Conseil des ministres et j'espère que des actions seront prises réellement parce que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à des démolitions après des inondations. Depuis 2014, on a eu à avoir des quartiers qui ont été, certains quartiers qui étaient dans des zones à risque qui ont été démolis. On espère que cette fois-ci, on n'aura pas à revivre les mêmes situations que celles de cette année. Alors, Il faut préciser que le président de la République, pardon Serge, le président de la République a intimé l'ordre de détruire systématiquement toutes les installations qui étaient sur les voies d'eau et puis que tous ceux qui faisaient de la résistance soient rapidement mis au pas, j'ai envie de dire. Et justement, moi, j'ai envie d'en parler de ceux qui font de la résistance parce que si on se base sur la déclaration du porte-parole du gouvernement, donc le ministre de la Communication, M. Sidi Thiémoko Touré, il dit, et je cite, que certaines personnes usent parfois de leur qualité, font de la résistance ou essaient de profiter des faiblesses des procédures judiciaires pour pouvoir faire perdurer leur incivisme. Il faut définitivement arrêter ces actes d'incivilité et rejoindre les personnes qui ont des infrastructures sur les voies d'eau à les détruire ou seront détruites par la force publique, a-t-il martelé. Moi, je suis complètement d'accord avec le fait qu'on détruise les personnes qui sont sur la voie publique et qui empêchent l'écoulement des eaux. Mais ça veut dire, dans ces déclarations-là, qu'on a déjà identifié ces personnes-là. On les connaissait. On les connaissait. OK. Donc, on est un peu complice de cette incivilité. Aujourd'hui, on dit, d'accord, il faut définitivement mettre fin à ça. Je suis OK. Mais ça doit nous servir de leçon pour que, à partir de maintenant, dès que quelqu'un se met dans une position où il va contre la loi, il faudrait que le gouvernement ou l'État puisse tout de suite dire « Attention, monsieur, ce n'est pas un acte c'est de citoyen. » Exactement. Il faut vraiment que nos autorités soient dans l'anticipation. C'est bien, ce sont des mesures importantes qui sont prises, mais il faut vraiment qu'elles soient dans l'anticipation avec un suivi pointilleux, avec des actions fermes, pour éviter qu'on soit toujours dans la réaction à chaque saison des pluies. On a parlé d'habitations qui vont être détruites. On en a parlé il y a beaucoup d'années. Pourquoi ne pas mettre en place un système transparent en ligne qui permet aux populations de voir les zones qui ont été détruites récemment ou précédemment et pouvoir un peu l'évolution, qu'est-ce que ça apporte finalement. Je crois que Gouvernement est en train de noter vos propositions. Quelqu'un aurait dit pourquoi maintenant? Et en même temps, est-ce que ce n'est pas une déclaration, une énième déclaration parmi tant d'autres? Oui, effectivement, aujourd'hui, la situation est grave. On se retrouve avec un bilan d'environ 20 morts
suite à ces inondations. Donc je pense que c'est le moment pour eux de s'activer et de mettre en marche un système qui était là depuis près de 2019. Parce qu'en 2019, il y a eu une mise à jour, notamment du schéma directeur du plan d'assainissement et de drainage d'Abidjan. Et dans ce schéma, on avait mis en priorité les zones les plus sensibles à d'éventuelles inondations, dont la Riviera Palmeraie, Aniama, Abobo, les zones les plus touchées. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un réveil. C'est un réveil qu'on l'espère, qui ne va pas se rendormir encore une fois. Moi, je veux dire, je connais certaines réactions de certaines personnes dans la maison qui sont en train de se dire, hey, on connaît ça. On est habitué, on connaît ça. Eux-mêmes, ils savent, demain, les mêmes gars-là vont venir construire, comme ce sont leurs amis. Peut-être qu'ils vont les laisser. Et à toute fin utile, hein, si ça peut rendre service, il faut savoir que du milieu de la chaussée jusqu'à votre lieu d'habitation où vous avez la permission de construire, il doit y avoir 8 mètres. Donc, si vous voulez, 5 mètres à partir du trottoir. Voilà, et votre lieu d'habitation, ce qui ne se constate pas dans nos différents quartiers. On constate que dans ces quartiers, par exemple, le propriétaire de la maison, le locataire, va prolonger son garage jusqu'en bordure, même en passant au-dessus du caniveau. Arrêtons les sécurités. Il sort de celui direct qui est sur la chaussée, en fait. Exactement. Allez voir à Angré. Et pour nous, les joggeurs qui aiment courir, c'est pas agréable. J'ai lu un commentaire sur Internet concernant cette décision-là. Quelqu'un a d'abord dit, ah, donc le président est fâché maintenant. En général, c'est quand le président se fâche que les gens se disent, ah, le président est fâché. Donc, cette fois, il faut qu'on applique cette décision-là. Justement, et je pense que la faute est des deux côtés. Et du côté de la population, avec l'incivisme, comme disait Eddie tout à l'heure, mais aussi du côté du gouvernement, qui n'applique pas forcément les lois qu'ils mettent en place. Donc aujourd'hui, si le président a parlé, en tout cas, on espère qu'on ne va pas revoir les mêmes actions se repasser. Encore et encore et encore et encore et encore, on dit over and over and over again. Tu vois. Allez, on sort les bulldozers. En tout cas, moi, je suis sûr que si je vois, à propos de bulldozers, on se rappelle que c'est vrai, il y a des gens qui sont connus, enfin, on dit qu'ils ont peut-être un certain pouvoir dont on ne touche pas les immeubles. Il y en a d'autres dont on a cassé les murs. Voilà. Alpha Blondie. C'est ça. Jagger. Oui, il est en train de lui certainement. Les gars. Ciao. Pour moi, qu'on passe là-dessus. Alors, on parle un tout petit peu de sport avec ce report de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, pour 2022. Oui. Alors, le comité exécutif de la CAN s'est réuni mardi, donc hier, pour justement discuter de l'effet du coronavirus sur les compétitions africaines et notamment sur la décision tant attendue de la CAN qui devait avoir lieu en 2021, en janvier, au Cameroun, qui donc est reportée en février 2022. Et c'est la CAN masculine, mais par contre, moi, j'aimerais quand même pousser un petit coup de gueule parce qu'on reporte la CAN masculine, mais on annule la CAN féminine, sous prétexte qu'aucun pays ne s'est prêté candidat. Ça montre un peu la place des femmes aussi dans le sport. Voilà. On préfère annuler simplement et purement, sans aucune date ultérieure, pour la CAN féminine. Je m'y attendais un peu. Oui, moi aussi. Mais oui, forcément. Mais femmes, j'étais sûr que ça peut vous faire plaisir. Déjà que le football féminin, il est minoritaire, il n'est pas mis en valeur, exactement, surtout en Afrique. Mais ça, c'est pas la faute des hommes. Excusez-moi, mais bon, si ça peut vous faire plaisir, OK, la CAN, elle a été annulée, mais on a créé une compétition spécialement pour les femmes et qui aura lieu en 2021. C'est la Ligue des champions féminines. Donc, tu as un regard un peu... Après, c'est la CAF qui le dit, c'est pas moi. Entre la Ligue des champions féminine et une véritable CAN, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas le même prestige, ça n'a rien à voir. Donc si c'était la CAN masculine, ils se seraient battus pour avoir un pays qui allait se présenter. Aujourd'hui, on n'a pas de pays. Est-ce que de façon très objective, hein, je vais peut-être me mettre à dos une partie des féministes, est-ce qu'aujourd'hui, de façon très objective... Ça n'a rien à voir avec les féministes. Donc, je reprends la France à les féministes. Je reprends la France. Je vais passer un sale quart d'heure. Dès que j'ai commencé à dire, ça n'a rien à voir. Non, sérieusement. Est-ce qu'aujourd'hui, l'impact ou l'importance, en termes d'importance, la Coupe d'Afrique des Nations masculine n'est pas aujourd'hui beaucoup plus prisée que celle des... Il n'y a aucun souci, c'est pas ce qu'on dit. Tout ce qu'on dit, c'est battez-vous aussi pour pouvoir faire une CAN féminine. Qui les fédérations. Le sentiment est de dire qu'on n'a pas l'impression que la coupe du monde féminine n'est pas... La Coupe d'Afrique féminine n'est pas aussi valorisée que celle des garçons, exactement. On est d'accord. Voilà. Mais c'est un peu normal aussi, parce que voilà, il n'y a pas autant de femmes qui jouent au Donc vous êtes d'accord avec ce principe. Comment ça? Le football masculin est beaucoup plus rentable. Oui, c'est plus rentable parce qu'on communique beaucoup plus sur le football masculin. Tout simplement beaucoup plus vieux. Qu'est-ce qu'on doit faire? La fédération aurait dû prendre le risque de tenter
de maintenir les dates, ou bien de proposer une nouvelle date pour la CAN féminine, tout simplement. Quitte à ce qu'il n'y ait pas autant de monde dans les stades. On va se tourner, regarde la CAN, s'il vous plaît, trouver une nouvelle date pour que... Rendez-nous la vie, s'il vous plaît. Un petit tour de l'actualité. Donc, on a parlé d'émolition, on a parlé de sport. C'est le moment du petit débat. À 4 mois de la présidentielle ivoirienne, la commission électorale indépendante est au centre de toutes les discussions. On évoque notamment une mauvaise réforme de l'institution et sa capacité à organiser un scrutin transparent avec des résultats crédibles en octobre 2020. La CEI peut-elle garantir, en tout cas dans son rôle, les élections libres et transparentes? On en parle dans notre petit débat. Et je vais me tourner vers Edith. Edith, dans un premier temps, comment on arrive à la CEI, quand on sait qu'auparavant, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Oui. Comment naît cette CEI, pour qu'on arrive à la CEI? Je vous remets dans le contexte d'abord. Allez-y. Donc, dans la plupart des pays développés, les attributions de la commission électorale indépendante reviennent au ministère de l'Intérieur, comme tu l'as dit. Avant le coup d'État de décembre 1999, l'organisation des élections était assurée par le ministère de l'Intérieur. Donc, en application des dispositions de la Constitution ivoirienne, il a été créé le 9 octobre 2001, une nouvelle institution dénommée la Commission électorale indépendante, CEI, qui est chargée de l'organisation et la supervision du référendum ainsi que des élections. D'accord. Ce qui d'ailleurs crée une forme de paradoxe, j'imagine, paradoxe dans la tête. Dans ma tête, parce que je me dis que la CEI a été mise en place justement pour régler ce problème d'impartialité et de transparence. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui on en soit à encore parler de non-transparence de la CEI. Quelque part, il y a de réelles failles. Est-ce qu'il y a un problème, vous imaginez? Est-ce que vous pensez, Sophie, qu'on peut identifier ce qui cause des petits soucis par la CEI? Qu'est-ce qui entrave le bon fonctionnement éventuellement? En fait, je pense que la CEI aujourd'hui a une double reconquête à faire au niveau de la Côte d'Ivoire. En premier, ce serait déjà d'emmener les nouveaux électeurs à se présenter ou à s'inscrire sur les listes électorales. Hier, Ayana parlait du nombre qu'ils attendaient, qui était de 3 millions. Au 30 juin, ils sont à 510 000. Donc il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Et en 5 jours, on ne sait pas trop s'ils vont pouvoir y arriver. Mais en tout cas, le deuxième point, vraiment, il s'agit du facteur temps. Qui, je pense, est vraiment un facteur de confiance pour regagner le cœur des Ivoiriens. Quand vous dites facteur temps, Sophie Aïda, quand vous dites, vous parlez de quoi précisément? C'est-à-dire le communiquer les résultats en temps et en heure. Okay. Par exemple, quand on parle de la France qui a fait des élections municipales il n'y a pas longtemps, je crois le 15 mars et puis le 28 juin dernier, ils ont réussi, malgré la crise sanitaire, à faire venir les électeurs dans les bureaux électoraux en une journée de 8h à 19h et à 20h, maximum 21h, les premiers résultats étaient tombés. Donc je pense que c'est tout à fait possible. Quand on sait qu'ici, souvent... Dans le meilleur des mondes. Dans le meilleur des mondes, on nous annonce des résultats. On annonce les résultats pour bon, en tout jours. Cas, ils ont 3 jours. La commission a 3 jours. Je crois que c'est dans les dispositions. On dit que la commission a 3 jours, mais on est toujours 3 jours après, en train de chercher des résultats. Et c'est peut-être ça qui crée cette suspicion, ce doute. On dit, si ça dure comme ça, est-ce qu'ils ne sont pas en train de former l'expression tripatouillée? Manigancé, Serge. Manigancé, c'est un grand mot, quand même. Bah ouais, c'est ce que les gens se disent. On dit, bon, manigancé, c'est quelque chose. Quand on n'a pas les résultats, on y dit à 8h, après c'est 15h, après c'est 21h. On se pose des questions. Ça ne crée pas un problème de confiance, toutes ces choses-là, Serge? Et quand on sait qu'en plus, au niveau de la CEI, est-ce qu'on n'est pas en train de souffrir un peu de ce qu'on pourrait appeler la balkanisation même au niveau des partis? C'est-à-dire les partis eux-mêmes déjà à la base, à l'intérieur, divisés. Voilà, sont divisés, ils ne s'entendent pas forcément, donc ils sont représentés à la commission électorale. Bon, forcément, ils s'en vont là-bas en rang dispersé. Il y a un problème de leadership. Tout ça. Oui, mais je pense que je te rejoins un peu dans cette analyse-là, puisque de toutes les façons, on parle des partis politiques, mais surtout, on parle des Ivoiriens, parce que c'est les Ivoiriens, finalement, qui doivent faire confiance à cette CEI ou pas. Mais les Ivoiriens sont affiliés à ces partis politiques-là, dans leur grande majorité, en tout cas pour les votants et pour ceux qui s'intéressent aux élections. Alors, si ces partis-là, eux-mêmes, sont dans cette sorte de balkanisation et qu'ils sont dans la légitimité de qui doit siéger ou pas au sein même de leur parti par rapport à la CEI, ben, c'est normal que les Ivoiriens, dans leur ensemble, ne fassent pas forcément confiance. Oui. Et est-ce que la CEI même ne représentait pas à l'image même du pays, c'est-à-dire divisée au final? Parce que depuis des années, les populations crient leur manque de confiance à cette commission. Mais est-ce qu'au final, finalement, elle ne trouve pas de la division même des Ivoiriens? Mais à la base, elle est censée réunir.
elle est censée, à la limite, réconcilier. Parce que chaque partie a son... Je ne pense pas que ce soit son travail. Je pense que son travail, c'est plus d'assurer et de garantir la transparence des élections. Maintenant, à travers ça, par ricochet, ça peut forcément réunir les Ivoiriens. En tout cas, si on est d'accord sur la transparence, on sera d'accord sur les résultats. Les Ivoiriens sont tous contents. Et puis voilà. Donc. La question même, c'est est-ce que nous, en tant qu'Ivoiriens, parce que ça, c'est ce qu'on se dit, nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens, on aime beaucoup discuter. C'est-à-dire, on met beaucoup de questions, on est très philosophe. Hein, la fameuse remise en question qui devient même une question, à la réponse, on revient une question. Nous, on doute de tout. C'est-à-dire, là, on est là, on dit, à partir du moment où quelqu'un fait tout le monde suit. Et c'est peut-être ça qui crée un doute autour de la question de la CEI, peut-être pas forcément à raison. Le manque de confiance est basé sur des faits qui sont vraiment réels. On l'a vu en 2010 avec tous les événements qui se sont passés. Les Ivoiriens n'ont pas voulu perdre confiance en la CEI. La CEI a un peu donné de quoi perdre confiance. Mais il faut dire, comme Sophie le disait, c'est à double échelle. Aujourd'hui, la confiance de la CEI envers les populations compte effectivement, mais comme il l'a dit, la confiance compte aussi envers les partis politiques. On crée une caisse électorale pour pouvoir s'identifier à cette caisse et faire preuve de transparence vis-à-vis de cette caisse. On doit avoir confiance à cette caisse. Commission, pardon. Ouais. J'imagine tout de suite, une caisse... Donc voilà, chaque parti politique devrait avoir confiance et se reconnaître en sa CEI. C'est là la question de la transparence, je ne me trompe pas. En principe. Moi, j'ai une question qui me taraude l'esprit, c'est au sujet des prorogations. Parce que si on a prorogé les inscriptions à la liste électorale déjà à cause du Covid, et à cause, enfin de la Covid, pardon, et des pluies diluviennes, on n'est pas sûr que la Covid, d'ici le mois d'octobre, sera terminée, en tout cas, éradiquée. En tout cas, on l'espère. On n'est pas sûr. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Est-ce qu'on va également proroger encore les élections de report, est-ce qu'on va pas présidentielles à une semaine des élections présidentielles en train de faire enrôler le dernier requérant? Il ne faut pas que ça donne l'impression qu'on est en train de faire le procès de la CEI. Nous, on pense que en 5 jours, on peut obtenir le résultat escompté. Mais le travail de la CEI, que la CEI mène en ce moment pour sensibiliser et mobiliser les jeunes, les nouveaux majeurs à aller se faire enrôler, c'est louable et c'est vraiment à féliciter. Mais ben voilà, justement, parce qu'eux, ils font leur travail, ils font des campagnes, ils disent aux gens « allez ». Et puis les gens disent « non, on n'a pas trop confiance, on n'y va pas trop ». Déjà, même lorsqu'on sonde les jeunes, les nouveaux majeurs, comme on le dit, j'ai essayé de faire un peu une petite... un petit sondage sur les réseaux sociaux, mais ils ne se sentent absolument pas concernés. La plupart m'ont répondu, je n'ai pas le temps, je n'ai pas confiance, est-ce que mon vote de toute façon sera pris en compte, je ne connais pas la CEI. Donc il y a un énorme travail de sensibilisation à faire auprès d'eux. Je pense que ce n'est pas juste seulement en fait de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens, c'est un peu partout, même dans les pays les plus développés, Sophie m'arrêtera si je dis n'importe quoi, mais les jeunes ne sont pas forcément concernés par les élections politiques. Mais c'est pour ça justement qu'aux États-Unis par exemple, quand il y a eu la campagne de Barack Obama, on a vu un peu comment sa campagne était très axée sur l'entertainment. Okay, il a joué sur le divertissement. Oui. Donc il a joué sur les acteurs de divertissement très connus tels que Jay-Z, Beyoncé et ainsi de suite qui ont rejoint sa campagne et pour parler justement à la jeunesse et sensibiliser à travers les réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc je pense que c'est peut-être Ça peut être un autre axe de combat pour la CEI qui leur permettrait d'aller toucher le modèle les jeunes à là où ils sont. Notamment avec, et ça se constate déjà avec la campagne d'affichage qu'il y a aujourd'hui dans la ville. Je pense que c'est assez frais quand même au niveau des couleurs et au niveau des messages. Ils essaient. Puis j'ai vu aussi que même pour s'inscrire, c'est maintenant assez digital. Enfin bon, voilà, C'est peut-être culturel, j'ai envie de dire, que les gens se sentent pas toujours très... Les jeunes peuvent ne pas se sentir toujours très concernés par les questions. Après, on dit non, c'est des trucs des vieux, c'est la fête d'élection, nous, on a un match de foot. Ouais. On a des réalités qui sont propres à la jeunesse et tout ça. Puis peut-être que ces politiciens, on n'a pas trop confiance en eux. Toutes ces choses-là ont peut-être, dans le passé, joué sur la motivation de ces jeunes-là. Oui. Mais bon, heureusement, je crois que de plus en plus, ils sont en train de... Si tu permets, Brice, pour t'emboîter le pas, j'ai juste envie de dire que si on a véritablement envie d'intéresser les jeunes aux élections présidentielles, il va peut-être falloir rajeunir les candidats.
un peu, quand même. Je veux dire, pour qu'ils se retrouvent un peu quand même dans les candidats, ce serait important que ceci... Il faudrait que les candidats jeunes... Plus jeune se présente aussi. Exactement. Parce que c'est bien de dire. C'est un peu ce que je dis. Ils doivent se reconnaître, mais bon, on ne voit pas de. En tout cas, si moi, je suis en campagne d'un candidat qui est vieux, je lui dis parle aux jeunes dans un langage qu'on comprenne. En fait, c'est l'ajustement structurel et tout ça. Il est là. Au-delà même de rajeunir les candidats, il faut aller vers les jeunes. Il faut créer il y a des conférences, il y a des événements qui peuvent rassembler ces jeunes-là pour leur parler. Si on ne leur parle pas, comment est-ce qu'on connaît leurs problèmes? Et comment est-ce qu'on les attire? Comment est-ce qu'on veut qu'ils se mobilisent pour aller voter? Donc c'est important d'aller vers eux. Il ne faut pas donner de mauvaises idées non plus aux gens. Il ne faut pas qu'ils aillent non plus aller acheter des casiers dans des maquis pour aller venir voir son tel candidat et vous allez voter après. Mais je ne parle pas justement de casiers. Je parle de ces candidats eux-mêmes. Aller à la rencontre de ces jeunes. Même pas seulement leur campagne, mais leur parti, mais eux-mêmes. Faire des Instagram live, par exemple. C'est ça, voilà. Avec eux, voilà. Qu'on a prévu. Aller dans des universités, dans des lycées. Voilà. Là est le problème. Les discours que les politiciens tiennent aujourd'hui font en sorte que les jeunes ne se retrouvent pas forcément dans ces discours-là. On adapte le discours. Je vais peut-être marquer une pause. Vous dire, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils ont vraiment amélioré leur langage, les politiciens? Est-ce qu'ils ne parlent pas? Moi, je vois des gens qui parlent en chi maintenant. Beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux. Sur les moyens, on est d'accord. Ouais. Ils se sont améliorés, oui. Mais est-ce que, malgré cette amélioration, est-ce que la jeunesse s'y retrouve? Non. Dans son sondage, ils ne se sentent pas concernés. Ils ne s'y retrouvent pas. Pour que je puisse me sentir concernée, il faut que je me... Ils n'en font pas assez, exactement. Le travail est fait, mais il faudrait l'orienter aussi vers la jeunesse, si on veut la jeunesse. Et puis savoir ce que la jeunesse veut savoir, veut entendre. Et c'est ce qu'elle a fait. Mettre le point sur les vraies problématiques qui concernent la jeunesse. Ce que la jeunesse fait, surtout. Bien sûr. Je vous entends, mais j'ai l'impression de parler... J'ai l'impression qu'on parle de jeunes, on parle des jeunes, on parle de la jeunesse, mais on est jeunes, nous. Oui, bien sûr. Nous sommes cette cible-là. Si on en parle, justement, également de nous. Vous êtes à peine majeur, mesdemoiselles. Voilà, c'est à vous. Vous êtes concernés. Voilà. Petit sondage sur le plateau. Vous vous sentez concerné par tout ce qu'il y a comme... Déjà, est-ce que vous êtes... Moi, je me suis fait enrôler. Déjà. Non, je m'étais déjà fait enrôler. J'ai juste vérifié que mes informations étaient à jour sur le site web de la CEI, donc c'est parfait. Attention, il reste trois chroniqueurs sur le plateau. On n'est pas sûr qu'on va avoir le même résultat pour tout le monde. Moi, je me sens concernée, d'autant plus que je réalise l'importance justement de cette jeunesse de participer et de rajouter sa voix. Ouais. Parce qu'on a besoin de voir ces changements. Oui. Et donc, il faut qu'on agisse. On joue à la roulette russe, là. Attention, il reste deux. Vas-y, Serge. Non, mais la galanterie, honneur aux femmes. Je me sens concernée. Je me sens concernée parce que c'est un devoir citoyen. Mais dans le discours, je ne me sens pas concernée. Ouais. C'est très proche de moi également parce que c'est un devoir... Je crois que c'est pour ça qu'on vous a mis tous ensemble du même côté. C'est un devoir citoyen. Je suis déjà enrôlé. J'ai vérifié également comme Edith. Mais j'en attends beaucoup plus. J'en attends beaucoup plus des candidats. Qu'ils me parlent et qu'ils me disent des choses qui m'intéressent moi. Pour m'envoyer justement à aller accomplir cet acte citoyen que je suis bien obligé de faire à un moment par et devoir. Tu as jusqu'à octobre pour pouvoir faire ton choix au dernier moment. Je les attends, mais vraiment de pied ferme, et j'ai vraiment envie d'entendre leurs arguments et qui parlent à cette jeunesse-là. Pour lui répondre, j'ai envie de sortir. La CEI organise, c'est vous qui choisissez le vainqueur. J'aime bien le slogan, franchement, j'aime bien. J'ai aimé cette campagne-là. En tout cas, moi je fais ça depuis hier. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je me suis assigné la mission, franchement, de faire la sensibilisation. Je crois que c'est un devoir citoyen, quand même, d'inviter les uns et les autres qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales de le faire, de se rapprocher de tous les centres. Il y en a un bon nombre à travers donc, la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas encore le cas, faites-le. Et je crois que vous aurez l'occasion d'apporter votre voix, votre décision dans ce qui vous concerne. J'ai juste une question. Et Brice, tu te sens concerné? Oui. Ah oui, c'est vrai. Tu nous poses la question, mais et toi? Complètement. Mais parce que tu es le plus jeune majeur de nous, tous. Hein. Et c'est un gars qui est plus concerné que moi. Quand on dit concerné, là, c'est moi-même. On esquive facilement les questions. Oui, exactement. En tout cas, ce petit débat, vous pouvez le continuer chez vous. C'est un peu la formule qu'on vous propose à la fin du débat. Nous suscitons des réactions et puis à la maison, vous pouvez donc... Notre invité du jour a été président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, ministre du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME. De 2012 à 2017, il est actuellement secrétaire exécutif chargé de l'information, de la communication et de la propagande du PDCI RDA. Jean-Louis Billon est avec nous sur le plateau du Live Talk. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'accepter l'invitation de Live TV.
Merci de m'inviter. Tout le monde est très heureux. Hein. Quand on nous a dit qu'on devait vous recevoir, on s'est dit « Ah !» Je ne sais pas ce que ce « Ah » traduisait. C'était « Ah !» On a beaucoup de choses à lui dire, beaucoup de choses à lui demander. Moi, je suis allé voir sur les réseaux sociaux de Live TV, notamment sur Facebook et sur Instagram. Effectivement, les commentaires, tout le monde était content, surtout les femmes, d'ailleurs. Je sais pas. Ah, bon, les jeunes dames étaient très contentes de vous avoir. Audience très féminine. Bah, voisine, surtout. Monsieur Jean-Louis Billon, on parlait tout à l'heure de la CEI, je crois que vous avez entendu. Mm-hmm. Est-ce que vous avez confiance en cette CEI? A priori, non. C'est une commission électorale indépendante qui, pour nous, manque d'indépendance. On l'a dit très tôt. Et d'ailleurs, le PDCI ne figure pas dans la commission électorale indépendante. Pourquoi vous n'y êtes pas? On n'y est pas parce que, dès le départ, nous étions contre cette formule et le déséquilibre qu'il y avait. Nous attendons la décision de justice de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Et en fonction de la décision, nous allons aviser de comment on entre ou on n'entre pas. Bon. Il est clair que nous allons finir par y entrer, certainement, et voir les modalités, mais dès le départ, nous avions décrié le manque d'indépendance réelle de cette commission électorale indépendante. Alors, il y avait beaucoup d'avis, hein, mais en ce qui me concerne, je préférais qu'on ait une commission qui ne soit pas du tout politique, avec des magistrats, des individus de la société civile et tout, et pas du tout des personnes du monde politique, pour une véritable indépendance, pour une crédibilité des élections. Est-ce que les textes en l'état le permettent? Non, les textes sont ce qu'on en fait. Mais l'idée que je défendais, c'était d'avoir une commission complètement autonome, et pas choisie par des politiques où on amène... Il y a toujours des querelles politiques. Bien sûr. Donc, il y a toujours des divisions. Et concernant également... les drames qui sont liés aux inondations et qui font actuellement la une de l'actualité. Est-ce que vous pensez que l'État est toujours dans la réaction à chaque année? Ces dernières années, malheureusement, oui. Bon, y a des responsabilités collectives là-dessus. C'est vrai qu'on peut dire que cette année, les pluies sont particulièrement abondantes, mais le fait de voir ça de façon récurrente, il faut dire que le réseau d'assainissement de tous les égouts d'Abidjan n'a pas été refait depuis une trentaine d'années. Quand on vous dit qu'on cure les caniveaux, ce n'est pas vrai. On voit les caniveaux bouchés, quand vous conduisez, vous voyez les caniveaux bouchés. Il y a toutes ces constructions anarchiques que l'on connaît dans des endroits qui ne sont pas constructibles et on laisse faire. Donc au final, la responsabilité incombe à l'administration et à l'État. Mais il y a quand même beaucoup de responsabilités collectives. Mais vous étiez ministre de 2012 à 2017, donc toujours à cette même période, il y avait également des inondations. Qu'est-ce que vous avez fait également? Parce qu'on a l'impression qu'on se balance la responsabilité, mais bon, vous avez été également moi, ministre. Moi, personnellement, rien, puisque j'étais au commerce. Bien sûr. C'est pas, la responsabilité de l'assainissement, c'est le ministère de la Construction et dans la construction... Mais c'est un travail collectif du gouvernement également. Oui, c'est vrai, mais enfin bon, il y a une responsabilité. Quand on cherche des responsabilités particulières, il y a quand même quelqu'un qui a la responsabilité d'un domaine particulier. Mais M. Billon, donc à lui de faire en sorte que l'investissement pour l'assainissement... Tout le monde sait que l'ensemble de l'assainissement de la ville d'Abidjan doit être repris. Et pourtant, ça fait des années que ça n'est pas fait. Donc ça, il faut trouver les responsables. La question, M. Billon, c'était justement à propos de ces inondations-là. Ce que j'ai constaté, je n'ai pas souvenir, en tout cas personnellement, je ne sais pas sur ce plateau, de vous avoir vu à titre personnel ou au titre de votre parti politique, aux côtés des populations, aux côtés des sinistrés, aux côtés des gens qui en ont vraiment besoin. C'est peut-être moi qui suis pas dans le... Non, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Allez, non, en réalité, non, mais... non, vous en avez qui les soutiennent. Vous avez les maires qui sont concernés et tout, qui sont sur le terrain pour ça. Mais là, on est tous dans la réaction. Au départ, ce qu'il faudrait, c'est de ne pas avoir ces inondations. Vous savez, ce n'est pas la première fois. Elles sont là, ces inondations. Ce n'est pas la première fois. Par le passé, moi, je me souviens, petit, j'étais chez ma tante et chez mes cousins à Marcory. On s'est réveillé un matin et il y avait les pieds dans l'eau. Léonard Groguet, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission. Bien sûr. Comment ça va, ça s'appelait? Comment ça va? A pris une pirogue et il pagayait dans les rues de Marcory. Il a pêché un poisson et tout. Le président Oufoué s'est fâché. L'année d'après, on ne s'est pas réveillé les pieds dans l'eau. Donc, nous, on n'y est plus au gouvernement.
on est surpris que ça continue. Monsieur Jean Loubillon, la politique a quand même un peu changé de visage en Côte d'Ivoire, on va dire de par le monde et en Côte d'Ivoire surtout. Aujourd'hui, vous êtes responsable de votre parti, responsable de communication de votre parti. Pour en revenir un peu à la question de Brice Hanot, tout à l'heure, vous avez dit, lorsque vous répondez à la question d'Edith, qu'il y a également des comportements de personnes qui jettent des déchets dans les caniveaux et tout. Nous, on aimerait bien, en tant que jeunes et pourquoi pas même potentiels électeurs, avoir justement des politiques qui descendent dans les rues, ne serait-ce qu'en amont pour sensibiliser les populations sur ce genre de comportement-là, et puis, quand elles sont sinistrées, les voir à leur côté. Parce qu'on a comme l'impression qu'on vous voit seulement que lorsque vous avez besoin de nos voix pour aller aux élections. Non, ça, c'est pas réel. En tout cas, pas en ce qui me concerne. Je suis quelqu'un qui s'exprime souvent, qui sensibilise, qui dénonce beaucoup. Ça, je me suis fait une image de marque dans la critique et aussi dans la proposition. Seulement, il y en a qui n'aiment pas la critique et qui n'aiment pas avoir des avis et tout ça. Mais ce n'est pas dans la rue que l'on sensibilise. On sensibilise à l'école, on sensibilise à la télévision, dans les journaux. Et les leaders, effectivement, doivent s'exprimer et surtout être suivis et eux-mêmes montrer l'exemple. Quand vous avez un système où vous voyez aussi des responsables qui octroient des permis de construire là où il ne faut pas, il y a un problème. Donc, moi, je dénonce toujours ça. Mais monsieur Billon, vous dénoncez ? Non, parce que vous dites ça, il y a la corruption derrière. Vous avez des gens qui acceptent de l'argent simplement parce qu'ils en ont besoin et on lui dit « je veux construire à tel endroit », il accepte de l'argent pour donner le permis de construire. Mais et les conséquences Billon, après. Le point de Serge, on n'est pas surtout sur la corruption ou le fait qu'il y ait des responsabilités. C'est l'action. Mais c'est l'action auprès des populations sur le terrain. Oui. Parce que l'Ivoirien se trouve sur le terrain, il se trouve dans la rue. Quand on a les réseaux sociaux, mais oui. L'Ivoirien qui veut être écouté des hommes politiques a besoin qu'on vienne le trouver dans la rue, là où il fait son business, là où il se cherche au quotidien. En fait, c'est surtout là où on attend, en fait, vous, les hommes politiques. Oui, mais les élus de proximité le font régulièrement. Mais monsieur Billon, vous n'êtes pas individuellement. Vous ne viennent pas à la télé vous le dire. Oui. Mais je suis persuadé, moi je vois Yasmina Ouénien, Jean-Marc Yassé, Sylvestre Rémou, ils sont sur le terrain, Jacques Ewo, ils sont sur le terrain. Peut-être que vous devriez aller les filmer et les écouter. Mais ceux-là, ils sont sur le terrain. Est-ce que vous arrivez, quand vous sortiez de la maison un jour, de voir des populations sinistrées, des gens qui ont été victimes d'inondations, qu'est-ce que ça vous a fait en termes d'action? Vous avez dit, qu'est-ce que je peux faire pour ces populations? Oui, bien sûr. Mais moi-même, j'ai été inondé. J'ai eu un mur à l'Indigné qui a explosé parce qu'il retenait l'eau il y a quelques années en arrière. Et j'ai perdu la maison. On a dû la refaire intégralement. Vous avez les moyens de pouvoir la refaire, mais ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir refaire une maison, Et pour moi, c'était un problème d'assainissement. C'était pas que j'étais dans une zone inconstructible. C'était un problème d'assainissement. Donc je sais de quoi je parle. Un égout où d'autres ont construit plus haut, obstrué, non curé régulièrement, et ça finit par exploser. Non, on est dans les causes. On est toujours dans les causes. Oui, on est dans les causes, oui, mais il faut les connaître pour les réparer. D'accord. J'aurais pas dû être victime d'inondation. Mais ensuite, pour répondre à votre question, oui, on le fait. Mais quand vous allez, vous êtes impuissant face à l'ampleur d'une telle inondation et du nombre de personnes qui sont concernées. Donc vous allez aider des personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas et tout ça. Non, c'est surtout du soutien moral. Exactement. À la question de Brice, vous avez répondu, que peut-on y faire ? Je pense qu'en étant dans un parti politique, déjà, ça veut dire que vous avez un certain engagement envers la société. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que, quelque part, vous avez un engagement moral envers ces sinistrés-là, justement ? C'est dans ces moments que la population a besoin de vous voir. Oui, et peut-être même que c'est dans ces moments que vous devriez moral, faire votre sûr, promotion. Bien sûr, on le fait. Bon, bien sûr que la première chose, c'est de dénoncer parce qu'on voit les victimes. Mais après, qu'est-ce que vous pensez qu'on est obligé de faire? On est obligé de soutenir les populations, de leur parler, de compatir. Mais après le soutien moral, il faut des réponses. Il faut des réponses matérielles. Vous avez des personnes qui ont perdu leur voiture, qui ont perdu leur vie, qui ont perdu leur maison, qui doivent tout refaire. Bon, la compassion, c'est bien gentil, mais après, il faut l'action. Mais c'est un premier pas. Oui, d'accord. Ce pas-là a été fait. Après, demain, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas revenir demain pour de la compassion. Là, ce serait triste. C'est comme si vous allez voir le prêtre et que vous vous confessez et demain, vous refaites le même péché. Non, il y a un problème. Monsieur à un moment donné, il faut arrêter.
de péché. Est-ce qu'en tant que chargé de communication de votre parti, M. Billon, on va vous voir, lorsque les campagnes vont arriver, en train de demander aux populations d'aller voter ou de leur promettre des choses qui vont s'améliorer au quotidien. On va vous voir à la télévision en train de tenir ce genre de discours? Bien sûr que vous allez nous voir. Vous allez voir toute une équipe. Mais c'est pour ça, M. Billon, qu'on aimerait vous voir à nos côtés lorsque ça ne va pas. Parce que j'ai le sentiment que vous dites en ce moment, ça arrive, c'est pas vraiment notre problème, c'est les gars qui doivent régler ce problème-là, derrière. Non. Nous, on est déjà aux côtés des populations, c'est ce que je suis en train de vous dire, on est aux côtés des populations. On n'attend pas d'ailleurs qu'il y ait un drame pour être aux côtés des populations. Notre préoccupation, elle est permanente pour le bien-être des populations. Quand vous vous engagez en politique, c'est pour l'intérêt général et rien d'autre. Si vous pensez aux intérêts particuliers, allez ailleurs. Mais notre première préoccupation, c'est le bien-être des populations, le processus de développement de notre pays. Donc, ce n'est que la préoccupation des populations. Attention, il ne faut pas croire qu'on est là, on attend un sinistre ou un problème. Ou une campagne électorale. Je réfléchis demain comment on peut avoir un espace audiovisuel beaucoup plus compétitif, beaucoup plus attrayant, comment on fait pour avoir un système d'éducation beaucoup plus performant, ainsi de suite, mais sur chaque secteur de la vie publique. C'est vraiment une préoccupation permanente. Ce que nous, on voulait juste relever, c'est en termes de valeurs, qu'est-ce que vous, qui affirmez aimer les populations, vous êtes en train de faire pour elles? Pour nous, c'est toujours la défense de l'intérêt général. Et puis, je ne vais pas commencer à vous énumérer ou à vous chiffrer ce que nous faisons, mais nous faisons. Monsieur Billon, on va retirer les pieds dans l'eau et on va s'intéresser surtout à la jeunesse, parce que vous êtes jeune également. Si la majorité des nouveaux majeurs et les jeunes de moins de 35 ans s'enrôlent effectivement, et bien ceux qu'on atteigne l'objectif fixé par la CEI, ils pourraient représenter un poids électoral très important. Est-ce que vous pensez que vous parlez le langage des jeunes? Nous devons parler le langage des jeunes. Moi, je parle le langage des jeunes. Ma préoccupation, encore une fois, c'est celle de mon parti, c'est de leur donner une perspective. Répondre à leurs aspirations. Et quand vous êtes jeune et que vous vous dites « je vis dans un environnement, dans un pays où il n'y a pas de perspective et que je dois m'exporter ailleurs pour trouver réponse à mes préoccupations », donc vous avez échoué. Or, nous avons trop de jeunes qui vont trouver réponse à leurs aspirations ailleurs. En ce qui nous concerne tous, nous voulons faire en sorte que tous les Ivoiriens puissent trouver chez eux ce qu'il y a ailleurs et qui n'ont pas allé le découvrir ailleurs. Et ça, quand vous avez fait vos études ici, à l'étranger, que vous avez vécu dans plusieurs mondes, vous vous dites, il y a des standards minimums que l'on doit avoir dans notre pays. Et la jeunesse voudrait vivre ça chez elle, même si on peut découvrir après par curiosité d'autres pays, il y a des choses qu'on ne doit pas attendre d'ailleurs, qu'on doit trouver chez nous. Monsieur Billon, ailleurs on a Obama, ailleurs on a Macron. On aimerait bien avoir aussi ce genre de panorama et de configuration ici en ce qui concerne nos élus. Donc, est-ce que au niveau de votre parti, vous pensez que c'est une vision qui peut être possible pour les jeunes? Alors, je vous vois venir. vous vous dites, bon. Le PDCI est en train de présenter un candidat d'un certain âge. C'est vrai. Il y a une raison pour cela. On pourra y revenir tout à l'heure. Toute l'équipe est jeune. Moi, je ne suis pas le plus jeune. Il y en a d'autres. Mais vous allez voir une équipe entière, soudée, arriver dans la bataille politique pour faire valoir ses arguments, son programme et la proposition de son projet de société. C'est dessus qu'il va falloir juger l'équipe. Pourquoi vous ne vous mettez pas en avant? Vous dites toute l'équipe est jeune, il y en a même de plus jeunes que vous, mais toute l'équipe est jeune, le capitaine est moins jeune. Alors que c'est... Non, je vous ai dit, il y a une raison pour cela. Si vous voulez me demander la raison, on peut y revenir. Maintenant, bon, sinon, si vous me donnez le temps, je développe. Oui, mais dites-moi. Vous avez parlé de l'équipe jeune, donc on va s'arrêter quelques secondes sur ce point. Parce que l'équipe qui va aller en campagne est une équipe de jeunes. Bon, vous dites pourquoi on ne les voit pas maintenant, mais si, on les voit un petit peu, vous les connaissez, mais nous ne sommes pas encore en campagne.
Donc la campagne n'a pas officiellement commencé. Nous allons faire notre convention tranquillement et tout. Et après, vous allez voir l'équipe. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à vous cerner, en fait, au final, parce que vous étiez déjà d'abord au PDCI, ensuite au RDR. Non, jamais été au RDR. Alors, c'est ce que certains ont voulu faire croire. Lorsque je me présentais au Hambol, j'ai dit je représente parfaitement le RHDP parce que je suis sur une liste RDR avec ma carte PDCI en poche. Tout le monde m'a entendu dire ça. Okay. C'est beaucoup de contraste. On était dans une alliance. C'est ça qui nous perd, au final. Alors, c'est bien que vous disiez cela, parce qu'on était dans une alliance. Cette alliance a été rompue. Elle a été rompue parce que certains ont voulu, dans la création d'un nouveau parti, faire disparaître le PDCI-RDR. C'était inconcevable pour nous. Le PDCI-RDA, c'est la plus vieille formation politique sur le continent africain après l'ANC. On aime bien le répéter, il faut le savoir. Ensuite, 74 ans, l'ANC est quasiment centenaire aujourd'hui. Nous n'avons pas créé le PDCI. Le père de la nation, qui était le président Félix Houphouët-Boigny, a créé le PDCI et l'a transmis. Il y a eu tellement de trahisons autour du président Bédier vis-à-vis du PDCI, qu'à un moment donné, il s'est dit, écoutez, je vais protéger et transmettre. Donc, nous sommes derrière lui parce qu'on ne savait plus à qui faire confiance. Ceux qui étaient supposés protéger, vous avez des secrétaires exécutifs, vous avez des ministres, vous avez vice-présidents, tout ça, dans le PDCI, qui sont partis pour créer le RHDP et qui voulaient actionner la dissolution du PDCI. Comme je dis encore une fois, pour nous, c'était inconcevable. Et là, vous êtes revenu en agence tout risque. Tous ceux qui ont pu sont revenus en agence tout risque. Donc, nous protégeons le PDCI, nous faisons gagner le PDCI aux prochaines élections et la transition générationnelle. Vous parlez le langage des jeunes, vous êtes les Avengers du PDCI. C'est vrai que j'avais dit agence tout risque. Non, ça va. Il y a la nouvelle agence tout risque. Vous étiez pressenti pour représenter le PDCI à l'élection présidentielle de 2020. Et puis tout à coup, le rêve s'écroule. Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, je viens d'expliquer pourquoi. Pourquoi? Je viens d'expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'on a demandé au président Bédier d'être maintenu parce que autour de nous, on n'est peut-être même pas à l'abri encore de nouvelles trahisons. Donc, les anciens qui sont là, qui ont maintenu la flamme du PDCI pendant des années, et qui ont souffert de tout ce que le pays a connu ces dernières années, en termes de crise, de mutinerie, de rébellion, où vous avez un soldat de seconde classe qui ne se met pas au garde-à-vous devant un officier supérieur, où vous avez des microbes qu'on appelle enfants en conflit avec la loi, et tout ça. Toutes ces valeurs perdues, nous repartons vers les valeurs qui ont fait la force de la Côte d'Ivoire. Le PDCI, c'est le parti fondateur. C'est le parti qui vous a mis Union, Discipline, Travail, c'est le parti qui vous a mis l'hymne national, c'est le parti qui a les armoiries, et tout ça, c'est de bien, la nation. C'est bien noté. Donc, nous voulons un retour aux valeurs. Nous devons consolider ces valeurs-là. Monsieur Biron, et moderniser la politique. Vous particulièrement, je sais que dans mon quartier, il y avait de nombreux jeunes qui avaient nourri de grands espoirs dans votre éventuelle candidature, et ils se sont personnellement senti un peu trahi. Est-ce que vous pensez que, par exemple, Henri Conan-Bédier est la seule personne valable pour parler au nom du PDC aujourd'hui, que vous, par exemple, vous l'êtes un peu moins? Non, bien sûr que non. Et lui-même ne pense pas comme ça. C'est pour ça que je vous dis, nous sommes dans une phase de protection de l'ensemble des intérêts du parti. Et il faut écouter mon intervention lors du bureau politique. J'ai clairement dit que moi, j'avais des aspirations et que j'étais candidat. Mais nous attendons la décision du président du parti parce que de coutume, le PDCI présente son président. Nous allons être éclairés sur la position du président. Si le président y va, tous nous allons nous aligner derrière le président. Et s'il décide de ne pas y aller, je suis candidat. Si j'ai bien compris, Jean-Louis Billon, vous avez parlé tout à l'heure de trahisons, de nombreuses trahisons autour de la personne de M. Henri Conan-Bédier. Et vis-à-vis du PDCI également. Et vis-à-vis du PDCI, mais aussi de M. Henri Conan-Bédier. Est-ce qu'aujourd'hui, l'avoir justement à la tête du parti pour les présidentielles, ça nous amène à une sorte de vendetta, de vengeance que le PDCI a envie de prendre?
Le PDCI n'est pas dans la vengeance. La culture du PDCI, c'est le dialogue. Vous voyez, je pense que tous, vous aspirez à plus de liberté, plus d'équité, plus de justice. À partir du moment où on vous dit, vous avez un parti politique que l'on va dissoudre, on vous dit non, on préfère le garder, et qu'il y en a qui y vont de force quand même, eh bien forcément, vous allez avoir des réactions. Alors nous, on s'est mis devant et on a dit non. On veut voir le PDCI qui se maintient. Aussi bien je veux voir le PDCI qui se maintient, aussi bien je veux voir également le FPI qui se maintient. C'est notre position traditionnelle et tous les partis d'opposition. Donc pourquoi vouloir les dissoudre? Pourquoi vouloir museler les gens? Pourquoi vouloir revenir au parti unique avec une dictature de partis? Non, nous voulons une vraie démocratie. Si on bride la liberté d'expression, on bride tout, même la liberté d'entreprendre. Et moi qui viens d'abord du secteur privé, je peux vous dire que là où il y a liberté totale, vous avez plus d'entreprises, vous avez plus d'innovation. Est-ce que votre liberté d'expression est respectée au sein de votre propre parti, monsieur Jean-Louis? Ah oui, bien sûr, chez nous. Comme on le disait tout à l'heure, on vous a pressenti candidat, on vous a même et vu. Je l'ai même dit. Je l'ai même dit là-bas, lors du bureau politique. Donc, il y a eu la liberté d'expression. Et ensuite, j'ai dit devant tout le monde, OK, je me retire. Mais justement, M. Billon, à propos de cette décision-là... Pour telle et telle raison que je vous ai exprimée ici. À propos de cette décision-là, vous n'avez vraiment pas le sentiment d'avoir trahi des jeunes, des gens qui avaient placé en vous une certaine aspiration de changement, de révolution? Non. Vous n'avez pas ce sentiment-là? Il n'y a pas de trahison. Voyez-vous, le plus important, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas un one-man show. Encore une fois, vous allez voir une équipe, vous allez voir un vice-président beaucoup plus jeune, vous allez voir un premier ministre beaucoup plus jeune, vous allez voir des ministres beaucoup plus jeunes, vous allez voir une équipe beaucoup plus jeune. C'est l'équipe. C'est l'équipe qui gagne. Hein. C'est l'équipe qui gagne. Quand vous prenez la Coupe du Monde, vous avez un qui avait gagné une Coupe du Monde il y a 20 ans, qui était Didier Deschamps, qui était l'entraîneur, et ceux qui l'ont gagné en 2018. Est-ce que vous pensez que votre candidat peut faire campagne? Dites-vous que ça va être la même chose. Est-ce que vous pensez que votre campagne a toutes les qualités pour faire campagne, votre candidat pour faire campagne dans toutes les conditions? Où est-ce que je veux dire? Il fera campagne et nous ferons campagne. Encore une fois, c'est une équipe. Nous, on ne vient pas vous dire... Parce qu'il a pris 10 ans. Parce que je vous ai entendu avant dire oui, l'enrôlement est lent, il n'y a pas beaucoup d'engouement et tout. Mais quand vous avez un pouvoir qui vous dit... N'y allez pas parce que tout est bouclé, tout est calé, tout est géré. Forcément, il n'y aura pas d'engouement. Et nous, on est en train de vous dire non, justement. Ce n'est pas bouclé, ce n'est pas calé, ce n'est pas géré. Et on va le démontrer. Monsieur Donc, rassurez-vous, dites aux jeunes qu'ils ne sont pas trahis. Hein. Monsieur Billon, vous avez parlé... Ce n'est aujourd'hui qu'un repli stratégique pour permettre de préserver un patrimoine politique, un patrimoine d'État, un patrimoine ivoirien qu'est le PDCI. Et j'ai dit, nous allons traverser le fleuve. L'éléphant est notre emblème. Et quand vous voyez l'éléphant traverser le fleuve, vous voyez les anciens qui encadrent les plus jeunes et qui traversent. Qu'est-ce que vous de l'autre côté de la rive, oui. Nous prenons. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que le PDCIDA, c'est un parti de vieux? Qui disent que la jeunesse au PDCI, c'est 60 ans. Ouais, j'ai pas 60 ans. Donc la jeunesse au PDCI, c'est pas 60 ans. Hein. En plus, ils ont la mémoire courte. Ils ont la mémoire courte. Le PDCI a été de tout temps. Géré par des jeunes. La locomotive, ce sont les jeunes. Vous prenez tout ce que vous dites vieux aujourd'hui. Ils avaient 27 ans, 30 ans, ils géraient le pays. Mais justement, et vous verrez la même chose demain. Monsieur Billon, rien à une question avec eux devant. En quelques secondes. Et, non, pas du tout. Vous verrez la même chose demain avec un président et le reste de l'équipe qui sera jeune. Vous insistez. Excusez-moi, monsieur Billon. Je vous le dis. Non, parce que si franchement, je ne vais pas vous amener un ministre de la Jeunesse et des Sports de 75 ans. Non. Donc, bon. Monsieur Billon. Ryan a une question, la dernière, avant le son joker. Vous avez choisi de mettre comme candidat quelqu'un qui a déjà été au pouvoir et qui a déjà montré ce qu'il pouvait faire. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pourraient penser pourquoi on choisirait encore quelqu'un qui nous a déjà montré ce qu'il pouvait faire? Alors, je vais vous dire. Nous avons vécu un coup d'État en Côte d'Ivoire en 1999. La Côte d'Ivoire n'aurait jamais dû connaître un coup d'État. Il y avait un programme. Et le président Henri Colombédier que vous mentionnez a été victime de ce coup d'État.
Monsieur Billon, vraiment, on ne peut pas dire que c'est le coup d'État, parce qu'hier, déjà, nous avions dit que les travaux à cause de la Covid n'avaient pas été suffisamment faits. Mais pour revenir c'est pas la Covid qui a fait empêcher les travaux. Les travaux... Je vous promets que ce n'est pas le sentiment d'inachevé du tout. Mais on vous promet que quand on savait que vous allez nous sortir que le coup d'État avait empêché Paris pour l'appétit de déployer... Non. On était sûr. Je vous promets qu'on savait. Pas du tout. C'est parce que... Rayana a dit on sait ce qu'il a fait. Vous ne savez pas tout. Parce que tout, à un moment donné, tout s'est arrêté. Et nous avons connu une crise. Qu'est-ce qu'on a gagné dans cette crise? À part la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Donc on remet ça sur le fait que ça s'est achevé trop tôt. Que ce soit achevé trop tôt. Tout le système a été ébranlé. Et aujourd'hui, les fondements sont fragiles. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on promet aujourd'hui à ces personnes-là? C'est le PDCI qui a mis les fondements de la Côte d'Ivoire. Nous allons les réparer. D'accord. Nous allons les réparer. Avec cette parce que croyez-moi, ils sont fragiles aujourd'hui. D'accord. Je vous promets que partir comme ça, eh bien... C'est un château de cartes que nous avons. Merci, et tout va s'écrouler. On vous garde avec Faites-nous confiance. On vous garde avec nous pour la deuxième, enfin pour une autre partie de cet entretien. Ça s'appelle ici le sang joker. Et vous n'avez pas le droit, pour le principe, de... Je n'ai même pas pris jusque-là, donc je ne vais pas commencer par en prendre. On marque une courte pause. Alors pour le principe, c'est une question par chroniqueur, en plus de la mienne. Donc 5 questions auxquelles vous devez absolument répondre. Vous n'avez pas d'autre choix. Il faut que vous répondiez. Mais je ne connais pas les questions. Non, mais je vous rassure, c'est des questions qui ont été bien pensées. C'est le principe un peu. Alors moi, ma voisine, d'ailleurs, qui est devenue très célèbre depuis sa question au préfet d'Abidjan, ma chère voisine, lorsqu'elle savait que vous étiez notre invitée, elle m'a dit, mais Jean-Louis Billon, vous êtes jeune, vous êtes frais, hein, pour parler le langage ivoirien. D'ailleurs, le magazine Forbes dit que vous êtes l'Ivoirien le plus riche en ce moment. En fait, j'ai envie de dire, vous partez chercher quoi en politique? Parce que quand on sait que c'est l'exercice le moins aisé. Mais y apporter la jeunesse et la fraîcheur dont vous venez de parler, justement. Oh là là, la porte, elle était bien ouverte. Non, je pense que malheureusement, on a trop de personnes qui vont en politique pour avoir un statut alors qu'on doit penser à l'intérêt général. Et très tôt, parce que pendant longtemps, après mes études, je suis rentré en Côte d'Ivoire en 1995, et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire mieux au niveau du secteur privé. C'est pour ça que j'ai pensé à la Chambre de commerce, pour avoir une tribune. Tout État a besoin d'avoir des contre-pouvoirs, d'avoir des personnes qui donnent des avis, des contradictions, des propositions et tout. Et vous étiez à la Chambre de commerce, vous avez l'impression que ce n'était pas suffisant, vous êtes rentré au gouvernement? Non, j'ai été élu maire d'abord, je suis rentré à la Chambre de commerce, et c'est de là qu'on... On m'a fait appel au gouvernement. Le gouvernement, c'est une autre équipe, c'est une autre discipline, et on vous donne un travail avec un budget et tout. Bon, ça n'a pas forcément fonctionné comme je voulais, mais ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. Monsieur Billon, il y a la question de... Oui. C'était la seule question. Non, il y en a 5. C'était la seule question. Vous représentez le premier employeur privé de Côte d'Ivoire et le second employeur après l'État. Avec vos 33 000 salariés, plus de 33 000 salariés, est-ce que vous vous sentez intouchable? Avec cette masse salariale, avec votre statut? Non, personne n'est intouchable. Personne n'est intouchable. Et personne ne doit être intouchable. Bon, vous mentionnez le groupe qui est un groupe familial avec des partenaires asiatiques, européens. Donc effectivement, c'est un groupe à la taille ivoirienne qui est grand, mais que nous, on considère comme une grosse PME au niveau mondial. Il faut être plus ambitieux que ça. Il faut qu'il y ait des centaines, voire des milliers de groupes comme les nôtres en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'entrepreneuriat. Et vu que vous engagez auprès de, en tout cas dans la promotion de l'entrepreneuriat, quelles sont les actions que vous menez pour pouvoir arriver à avoir des multinationales comme la vôtre qui se multiplient dans le pays? Alors là, il faut revenir à mon action au niveau du gouvernement avec le projet Phoenix, qui était un projet pour favoriser les PME, faire en sorte qu'elles soient très fortes et devenir des champions demain. Merci, Monsieur Billon. Au point où on vous dit un appel d'offres public, forcément, doit donner au moins 20-30% du marché
Rayana Assi, qui est en voilà, face. Voilà, face. Et je n'ai fait que emprunter, parce qu'on a deux autres questions qui vous attendent. On ne réinvente pas l'eau chaude, donc qui est le Small Business Act aux États-Unis, hein, la loi sur les PME aux États-Unis, qui a été empruntée aussi bien par les Japonais et les Européens. C'est bien noté. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire de mal. Je vais juste vous demander, vous avez confié que votre sortie du gouvernement était un soulagement. La veste était trop lourde pour vous ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est parce que j'avais envie de faire beaucoup plus de choses que ça. Et à un moment donné, bon, vous tournez en rond, vous n'avez pas de budget pour travailler. Donc ça commençait à être difficile. Et d'ailleurs, j'avais prévenu... Trop difficile pour vous ? Non, pas trop difficile, ennuyeux. Ce n'est pas pareil. Et à partir du moment où vous vous ennuyez, ce n'est pas la peine de continuer. J'ai même dit, écoutez, dans le prochain gouvernement, si vous n'avez pas autre chose, oubliez-moi. Voilà. Au moins, c'est honnête. Hein, ce n'est pas la peine de prendre l'argent du contribuable pour vous tourner les pouces. Quelqu'un dit vous n'êtes pas renseigné avant de partir au gouvernement, que ces choses-là pouvaient arriver. C'est pour ça que nous, on sait qu'on peut mieux faire et qu'on fera mieux. Vous parliez tout à l'heure du projet Phoenix, que j'avais suivi à l'époque d'ailleurs, qui était censé donner de la force aux entreprises locales, aux PME locales. Mm-hmm. Je vous ai même entendu en 2008 aussi au MEDEF, je pense, à Paris, demander aux investisseurs étrangers de revenir en Côte d'Ivoire, notamment aux investisseurs français. Par contre, on vous a vu en train de crier, de vous bagarrer contre le monopole de Bolloré au port, mais certaines indiscrétions nous ont laissé croire qu'il s'agissait d'une guerre pour défendre les intérêts de votre famille. Qu'est-ce que vous en dites ? Un monopole est un monopole. Et la loi interdit un monopole. À partir du moment où vous avez une entreprise qui vient dans le secteur portuaire, où effectivement, nous avons des intérêts, mais avec d'autres. Vous avez d'autres entrepreneurs ivoiriens qui travaillent au port et qui ont des entreprises de manutention et tout ça. Et que le directeur général du port de l'époque prend l'ensemble des portiques pour les confier à une entreprise concurrente seule en disant « fais le monopole », il y avait une faute. Je m'en suis plaint en 2004. Le même sujet arrive... Quelques années plus tard, en 2013, je me plains de la même manière. Ça s'appelle être juste. Et c'était indépendant de mes intérêts familiaux, puisque j'avais refusé d'être administrateur au conseil du port autonome d'Abidjan, alors que la chambre de commerce est dans le conseil d'administration du port autonome. Vous n'avez pas un proche qui était dans cet appel d'offres par rapport au TC1 ? Non, non, non. Et au TC2 ? Le TC1, je vais vous dire, il n'y a pas eu d'appel d'offres. C'est une concession monopolistique, alors qu'on était dans un fonds d'ajustement structurel dirigé par la Banque mondiale. Donc, il y a eu fraude. Ensuite, écoutez bien, ensuite, vous avez un appel d'offres pour un second terminal, où au départ, on vous dit, celui qui a le premier terminal ne doit pas compétir. À partir du moment où il s'est introduit dans l'appel d'offres du second, il y avait tricherie. On aura peut-être l'occasion, hein, M. Billon, de revenir sur ces questions-là pendant la deuxième partie de cette émission. Parce qu'on voulait juste déjà vous remercier d'avoir accepté le défi du Sans Joker. On doit normalement se dire au revoir, mais ce n'est pas fini. Parce que tous les mercredis, l'émission se prolonge avec l'After Talk. Nous allons changer de décor et puis pendant une demi-heure, vous... C'est déjà fini pour nous ? Bah oui, pour vous. Ça passe trop vite. Bah oui, en tout cas, pour le Sans Joker. Mais vous serez là, vous serez... Si vous m'invitez à nouveau, je reviendrai. De toutes les façons, le climat va devenir de plus en plus politique. Oui. J'imagine que vous allez inviter pas mal d'acteurs politiques. Demandez-leur d'avoir toute la transparence qu'il faut. Retour sur le plateau du Live Talk, mais je dirais l'autre plateau du Live Talk, que tous les mercredis à cette même heure, nous changeons de décor, mais nous gardons notre invité avec qui nous discutons dans un cadre, je dirais, beaucoup plus intimiste. Vous êtes à la maison, vous êtes dans votre canapé, M. Jean-Louis Billon, vous êtes avec nous et nous a rejoint Israël Guébo. Nous sommes dans l'After Talk.
avec notre invité Jean-Louis Billon dans les décors de l'After Talk. Nous a rejoint, je vous le disais, Israël Guébeau. Bonsoir. Bonsoir Brice, bonsoir Jean-Louis Billon. Bonsoir. Monsieur Billon, avec Israël Guébeau, nous allons poser certaines questions qu'on n'a pas eu certainement l'occasion, le temps ou c'est peut-être pas le cas de vous poser. Alors la première, c'est celle-ci. Jean-Louis Eugène Billon. D'accord, on en a ressorti ça particulièrement. La commission électorale indépendante, on le disait tout à l'heure, a accordé donc un délai supplémentaire, 5 jours. Je crois que ça faisait partie des propositions du PDCEDA. À votre avis, est-ce que ce n'est pas une maigre victoire que vous avez obtenue, 5 jours supplémentaires? Est-ce que vous étiez réjoui du fait que ces propositions-là aient été prises en compte? Oui, même maigre, c'est une victoire quand même. Mais c'est pas important. On aurait pu avoir 5 jours, 10 jours, 20 jours. Ce qui est dommage, voyez-vous, en Côte d'Ivoire, c'est qu'on soit en période électorale et qu'on court vers l'enrôlement. Il faut quand même respecter les populations et le contribuable ivoirien, respecter les individus, respecter les parents, les familles et tout. Ce n'est pas au moment des élections qu'on doit forcer pour avoir l'identification, forcer pour avoir l'enrôlement. Les gens ont autre chose à faire. Donc si depuis 10 ans, on avait commencé à faire les cartes d'identité régulièrement, tous les jours, on n'en serait pas là. Et ça, c'est le service public de qualité. Et tout homme politique se doit d'offrir un service public de qualité à ses populations. Donc, c'est une maigre victoire, mais c'est ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir un maximum d'enrôlés. 3 millions d'électeurs attendus, 510 000 à enrôler actuellement. Est-ce que vous pensez que c'est un pari qui peut être tenu? Personnellement, je suis pas sûr qu'on arrive aux 3 millions. Et ce serait malheureusement un échec pour la CEI, il faut le dire. Ce serait un échec pour le gouvernement. Un enrôlement, encore une fois, les pays organisés, vous êtes enrôlés toute l'année. Une fois que vous êtes majeur, quand vous allez faire votre nouvelle carte d'identité, automatiquement, on vous enrôle. C'est-à-dire l'an dernier, 2 ans auparavant, 3 ans auparavant, et voilà. Comme ça, on n'est pas dans un embouteillage d'enrôlement. Pourquoi on doit vivre ce genre de choses? On vous parle de devenir un pays émergent et on n'arrive pas à gérer un enrôlement. Est-ce que vous avez fait cette proposition-là on vous a écouté, on ne vous a pas écouté? On n'écoute pas. On vous écoute pas, vous avez l'impression de... Voilà. Ce sentiment de ne pas être écouté vous amène à chaque fois à dire « Bon, laissez-nous faire, on fera mieux. » Jean-Louis Billon, je vous ai entendu tout à l'heure sur le live talk et on va revenir sur la question de l'âge, mais je sais qu'elle est réglée par la nouvelle constitution qui a levé la limite. Mais je pense que ce qui dérange un peu, c'est, et je vais vous le dire, le président Konan Bédié, en 2010, avait affirmé ceci, je le cite, à mon âge, il avait 75 ans. Mm-hmm. Si je suis élu, je ferai 5 ans, ça fera 80. Au-delà, je ne veux pas faire comme d'autres qui se présentent, même au-delà de 80 ans, à la magistrature suprême. Mm-hmm. Aujourd'hui, 86 ans, il est engagé à la candidature du parti. Mm-hmm. Ça ne vous dérange pas que ses propos qu'il a tenus il y a 10 ans soient différents aujourd'hui? Écoutez, j'ai expliqué tout à l'heure les raisons qui nous ont amenés et qui ont amené le président Konan Bédié à rester à la tête du oui, parti. Oui, mais vous, ça ne vous dérange pas? Non, j'aurais préféré que ce soit autrement, mais j'aurais préféré que l'histoire de la Côte d'Ivoire entière soit autre et que nous n'ayons pas eu ces querelles politiques qui nous ont amenés à réagir contre tout simplement un climat de dictature. Quand on vous dit on va détruire un parti politique, non, on veut pas. Donc vous êtes très à l'aise avec? Oui. Dans la situation actuelle, oui. Alors, aujourd'hui, oui. Par contre, je vais vous dire, parce que vous dites le président Konan Bédié a dit telle chose il y a 10 ans. C'est vrai qu'il l'a dit. Mais à nous, il a également dit, je suis là pour préserver cela, mais attention, nous allons gagner, mais c'est vous qui allez gérer. En s'adressant à nous, les jeunes. C'est pour ça que je dis, vous aurez une équipe. Voyez bien ce qui est en train de se passer. Mais vous-même, vous n'étiez pas très à l'aise avec l'idée. Alors, je vais vous citer dans une interview que vous avez donnée il y a quelques années. Mm-hmm. Vous dites ici, et je cite, « Nous pensons à une nouvelle génération, bien sûr, en âge, mm-hmm. mais aussi en action. » Donc, pour vous, l'âge, ça compte. Alors, j'ai du mal à comprendre aujourd'hui que là, vous dites que oui, je soutiens le président Bédié. Comme vous êtes jeune et que vous êtes rompu aux nouvelles technologies, je vais vous expliquer. Je suis allé plus loin que ça. J'ai dit, en 2020, c'est une nouvelle génération qui va arriver.
une nouvelle génération, pas seulement en âge, mais également en éthique, en vision, en gouvernance. C'est un tout autre logiciel, c'est une nouvelle offre que l'on vous présente. L'offre est toujours là. L'offre est toujours là. Le président Henri Conan-Bédié est garant de certaines valeurs. Mais attention, l'hardware est peut-être là, mais tout le software est nouveau. Tout le logiciel est nouveau. Encore une fois, voyez bien que nous l'avons pour préserver le patrimoine. Ce patrimoine qui a été menacé à un moment donné. Si ce patrimoine n'avait pas été menacé, le président Henri Conan-Bédié se serait retiré. Puisque c'est lui-même qui nous encourageait pour dire « Bon, préparez-vous, en 2020, il y aura des primaires, il y aura des élections. » Et nous avons eu ce problème. Pourquoi ce patrimoine ? Alors, pardon, vous parlez de patrimoine ? C'est quoi ce patrimoine ? Le PDCI. Oui. Le PDCI et les valeurs qu'il incarne. D'accord. Mais j'ai dit, on a quand même fait l'objet de fortes trahisons. Des personnes qui étaient supposées protéger et garantir les intérêts du parti sont partis de l'autre côté ont fomenté tout ce qu'il fallait pour que le PDCI disparaisse. Oui, vous l'avez dit dans Live Talk. Vous, Israël, vous, Brice, est-ce que vous concevez une Côte d'Ivoire sans le Parti démocratique de Côte d'Ivoire ? Alors, vous non, allons-y plus loin. Est-ce que vous concevez une Amérique sans le Parti démocrate et le Parti républicain ? Non, vous le voyez pas, parce que ça fait partie du système. Et on sait que tous les 4 ans, vous allez avoir les républicains contre les démocrates aux États-Unis. Vous m'avez parlé de Obama, de Clinton tout à l'heure et de Macron. Oui, vous avez ça. Mais pourquoi on veut nous interdire cela en Côte d'Ivoire ? D'accord. Vous avez affirmé tout à l'heure, j'ai bien entendu avec attention d'ailleurs sur le plateau du Live Talk, et je vous cite, que le PDCI a été le fer de lance de certaines valeurs en Côte d'Ivoire, encastrées dans la devise Union, Discipline, Travail. Mais au fil du temps, on a bien vu que la Côte d'Ivoire a connu aussi d'autres devises, si on peut le dire ainsi, la corruption, les crises sociopolitiques. Est-ce que vous avez le sentiment que le PDCI est irréprochable à tout ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire depuis 10, 20 ans, 30 ans ? Irréprochable, non. Irréprochable, non. Mais un parti d'expérience aussi tire leçon de ses erreurs, de son expérience. Et c'est tout ça que nous savons et que nous saurons corriger. Donc, bien sûr, nous sommes dans l'observation, dans la critique aujourd'hui. Mais on a fait notre mea culpa, on sait ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et c'est pour ça qu'on va corriger. Mais quand on sait aussi que nous avons vécu plus de 10 ans de crise, et qu'on ne tire pas de leçons de la crise, et que l'on repart avec les ingrédients qui ont amené une crise, nous disons non. Vous parliez, Jean Hubillon, tout à l'heure d'erreur. Vous assumez une part de responsabilité dans ce qui n'a pas marché. Est-ce qu'on peut citer un peu ce qui n'a pas marché ? Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui devant les Ivoiriens à assumer cette part de responsabilité dans les erreurs qui se sont glissées ? Bon, par exemple, je dirais trop d'impunité sur les cas de corruption avérés. Ça a commencé depuis très longtemps en Côte d'Ivoire. À un moment donné, il faut que ça cesse. La bonne gouvernance, ce n'est pas un leurre. Un pays fonctionne bien quand vous avez un état de droit de plein exercice. Et un état de droit de plein exercice, ce n'est pas voir un acteur politique qui s'enrichit impunément, illégalement, sans cause, au détriment de l'intérêt général, et le laisser faire. À un moment donné, il faut sévir. Donc, tout ça va changer. Est-ce que le PDCI, aujourd'hui, regrette l'épisode 2010 et l'alliance avec le RDA ? Le président Henri Conan-Bédié a dit, avec du recul, je regrette. Mais après coup, puisqu'on a été trahi. Donc, par rapport au comportement que nous avons vu ensuite, et les trahisons et l'ingratitude que nous avons connues. C'est justement de ça que je veux parler. On parle de trahison. Depuis le début de l'émission, on parle de trahison. Comment s'est manifestée cette trahison-là ? De la part de qui, finalement ? Bon, vous connaissez l'actualité. Regardez ceux qui étaient au PDCI et qui sont partis devenir RHDP. Vous considérez que c'est une trahison ? Vis-à-vis du PDCI, je n'ai pas de problème que vous alliez ailleurs. Mais que vous travaillez pour la disparition du PDCI, oui, ça c'est une trahison, c'est de l'ingratitude. Alors que vous-même, vous étiez au RHDP ? Oui, on était au RHDP. Vous êtes parti ? Le RHDP, non, on n'est pas parti. C'est le PDCI qui était au RHDP. Ouais. Donc à un moment, on est tous au RHDP, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, nous avons une alliance avec d'autres partis. On ne demande pas au FPI de disparaître.
Vous comprenez chacune, vraiment, c'est que vous avez le sentiment qu'on a envie de faire disparaître le PDCI de l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Vous avez ce sentiment-là? Non, mais ce n'est pas le sentiment, c'est ce qui était. Donc, si aujourd'hui, vous voyez que le PDCI est encore là, c'est parce que nous nous sommes défendus et que nous avons maintenu le PDCI. Sinon, il n'y aurait plus de PDCI. D'accord. Si tout simplement, on était rentré, le PDCI était rentré dans le RHDP, bon, le RDR n'existe plus. Hein. Monsieur Jean-Louis le Bertrand. RDR n'existe plus, ce n'est plus un parti politique. Il est devenu RHDP. Bon, pour nous, c'est un fauné. Hein. Ils ont changé de nom parce que le RDR n'étant plus vendable, il fallait une nouvelle carapace pour aller en 2020. On va revenir à vous, Jean-Louis Billon, avant la prochaine question d'Israël Guébo. Vous avez décliné votre vœu de présenter votre candidature pour l'investiture du parti. Ce qu'une partie, j'ai même envie de dire, ce que les gens se disent, est-ce qu'il n'y a pas eu de deal? Je vois que vous êtes déçu. Dites-vous que ce n'est que partie remise. Mais est-ce qu'il y a eu un deal? Non, il n'y a pas eu de deal. Je viens de vous expliquer pourquoi ça a été fait. Donc, il n'y a pas eu de deal. Le deal était que les jeunes y aille, et nous avons vécu une situation. Parmi ceux qui sont partis, il y en a qui auraient pu compétir au niveau du choix du candidat. Hein. Mais ils sont partis de l'autre côté. Et de là-bas, ils font de la figuration, ils ont disparu. Hein, parce que, pour le coup... Ça c'est un commentaire. Pour le coup, au RHDP, il n'y a même pas eu de choix. Mais c'est une interprétation. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Quand je vous écoute, depuis 5-10 minutes, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de victimisation du PDG. Vous avez été trahi. Non. Une sorte de victimisation. Pourquoi c'est toujours vous qu'on trahit? Et puis on continue. On s'est défendu, on continue. Non, parce qu'en fait, pour nous, on avance. Vous dites, on veut nous faire disparaître à l'intérieur de notre parti. Il y en a qui nous ont trahis, qui sont partis. Oui, mais parce que c'est la réalité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va pas passer ça en perte et profit. La politique en Côte d'Ivoire, finalement. Non, c'est pas une question de victime. Voilà ce qu'on a voulu nous faire et nous sommes défendus. On avance. Donc vous êtes responsable de rien. Tout le monde a... Responsable de quoi? Donc Xavier, vous, on veut vous faire disparaître, les gens vous trahissent et vous estimez que vous avez tout bien fait. Non, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Vous vouliez que le PDCI disparaisse? Non. Bon, donc voilà. Donc nous avons raison. On a bien fait de se défendre et de maintenir le PDCI et de continuer. Les quatre qui sont partis. Pour nous. Les quatre qui sont partis, ils sont partis parce qu'ils se sentaient véritablement plus à l'aise avec un certain nombre de valeurs, comme vous parliez. Peut-être que c'est pour ça. Vous leur poserez la question, invitez-les, ils vous donneront leurs raisons. Il y en a qui ont dit qu'ils sont allés faire. Alors. Ils partent et puis ils vont faire PDCI Renaissance. Enfin, si le PDCI vous manque tant, enlevez le nom. Pourquoi vous allez faire PDCI Renaissance? Pour renaître, il faut mourir d'abord. Hein, bon, donc, ils sont allés mourir ailleurs. Pour le coup, ils sont devenus inexistants ailleurs. On est mieux chez soi, croyez-moi. Jean-Louis Billon, l'ancien président Laurent Gbagbo est en attente de son procès pour confirmer l'acquittement ou pour une reprise du procès. Dans tous les cas, est-ce que vous espérez qu'il revienne sur la scène politique, je précise ma question, est-ce que ça vous arrangerait qu'il ne se présente pas et que le Front populaire ivoirien, son parti, vous soutienne? Écoutez, nous espérons qu'il revienne, nous souhaitons qu'il revienne, nous voulons qu'il revienne, et qu'il revienne en paix et dans la paix. Aussi bien pour le président Laurent Gbagbo que pour Charles Blé Goudé et tous ceux qui sont en exil. Je ne pense pas qu'on soit hors de son pays de gaieté de cœur. On doit être libre de ses mouvements, libres de ses pensées. Il y a eu une crise en Côte d'Ivoire. Ce n'étaient pas les seuls acteurs de la crise en Côte d'Ivoire. Les responsabilités sont collectives. Il y a eu la Cour pénale internationale qui a donné un acquittement, qu'il rentre, tout simplement. On ne va pas s'éterniser dans la crise. Nous ne sommes ni le premier pays, ni le dernier à avoir connu une crise. À un moment donné, on fait la paix. Eh bien, le temps de la paix est venu. Et nous souhaitons que tout le monde revienne en Côte d'Ivoire. Participer au progrès, au développement, à la vie économique, sociale et politique de son pays. Donc oui, s'il veut rentrer, qu'il soit libre de rentrer. S'il veut se présenter, qu'il soit libre de se présenter. Mais ça vous arrangerait qu'il ne se présente pas et que vous soutienne? Bien sûr, si on fait bloc, c'est encore mieux. Mais je ne pense pas qu'il veuille rentrer pour se présenter. Et je suis persuadé que le FPI va nous apporter son soutien pour qu'on ait une victoire garantie. Et après, on ne leur demande pas d'avoir les mêmes idées que nous.
Nous sommes la droite, ils sont la gauche. À un moment donné, on va reprendre nos querelles politiques en fair play et les Ivoiriens auront le loisir de choisir le meilleur des programmes, parce qu'il s'agit d'un programme de société à chaque fois, et non pas faire le show individuellement, un programme de société pour le plus grand bien de la nation. Jean-Louis Billon, est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui être en alliance avec Guillaume Soro? Mais le PDC ne se cache pas. D'accord. Nous sommes en alliance avec plusieurs partis d'opposition. Guillaume Soro? Et Guillaume Soro, le COGEP, le FPI, l'URD, ils sont nombreux. Est-ce que vous trouvez que c'est une alliance de circonstances? Là, aujourd'hui, vous parlez du retour de Laurent Gbagbo. J'ai un peu l'impression, le sentiment, moi, que vous faites un peu les yeux doux. Vous êtes en stratégie vis-à-vis du FPI, vous êtes en alliance avec Guillaume Soro. Nous voulons que la Côte d'Ivoire change. L'union fait la force. Je l'ai dit tout de suite à Israël. Nous sommes unis pour une cause politique et remporter la victoire. Ensuite, nous allons nous rasseoir tous ensemble pour bâtir une démocratie nouvelle. Il y a plein de choses qui doivent être vues. Mais pour que vous puissiez vivre dans une Côte d'Ivoire qui soit un véritable état de droit. Pour terminer la question à propos de ce Guillaume, vous qui vous plaignez déjà d'un certain nombre de choses, on vous fait disparaître, il y a de la trahison. Avec tout ce qu'on sait que ce Guillaume a défendre comme... Mais Brice, je ne me plains pas. Hein. Vous dites chaque fois que je ne me plains pas. Je vous raconte l'histoire. Mais est-ce que vous pensez pas que vous allez... Ce sont des faits. Est-ce que vous pensez pas que c'est des problèmes supplémentaires que vous cherchez au PDCI? Non, pourquoi donc? Non, parce que Guillaume Soro, je sais qu'il a des affaires contre, de la justice contre lui, ici en Côte d'Ivoire, vous faites alliance avec lui, vous ne pensez pas que c'est... Vous pouviez vous en passer? Tous les problèmes doivent être réglés en Côte d'Ivoire. On peut tout régler en Côte d'Ivoire. Et c'est ça la force du PDCI, c'est d'avoir été nourri par le dialogue. Et le président Oufoué n'a eu de cesse de le répéter, de dire dialoguons, on peut trouver des solutions à tout. On va trouver des solutions à tout, ouais. Aux problèmes. On va trouver des solutions communes à l'ensemble des problèmes que nous avons. Justement, si on parlait de cela, la vision commune aujourd'hui, ce serait laquelle? Avec le PDCI et ses alliés? Mais c'est déjà de remporter l'élection. De remporter l'élection, d'assurer une véritable réconciliation nationale. Si vous n'arrivez pas à assurer une vraie réconciliation nationale. Et quand on parle de réconciliation nationale, je ne vous parle pas d'une réconciliation entre acteurs politiques. Parce que c'est souvent l'erreur que l'on fait, où on se dit, ils sont en querelle, on doit les réconcilier. Non, il faut que l'ensemble de la Côte d'Ivoire se réconcilie avec son système. C'est important. Quand vous parliez tout à l'heure, oui. Vous êtes vous-même déçu du système et de ses conséquences. Il faut arriver à vous réconcilier avec votre pays, avec votre État, mais pour cela, il faut également que l'acteur politique assure le processus de développement de façon équitable pour tout le monde. Et qu'on vive dans une Côte d'Ivoire beaucoup plus juste. Ça prend de grandes réformes. Je ne vais pas vous dévoiler ce soir, parce qu'on n'a pas le temps, Absolument. L'ensemble du projet de société, mais j'ai commencé par la réconciliation, et après, les grandes réformes doivent toucher la justice, la police, la gendarmerie, tout le secteur sécuritaire pour garantir la paix, parce que là, j'ai touché le régulateur social. La justice, c'est le régulateur social. Si vous ne faites pas confiance à la justice, vous ne pouvez pas obtenir gain de cause quand vous subissez un dommage. Si vous ne faites pas confiance à votre police quand vous êtes en danger, c'est... que le régulateur social ne fait pas son travail. Et quand vous voyez des destructions, des constructions anarchiques, et que le gendarme, qui est supposé faire le gendarme, et empêcher une construction à un moment donné sur une autoroute, sur une voie rapide, et que quelques mois après, on voit un déguerpissement, ce n'est pas normal. On a bien compris. On a bien compris. Le domaine de la sécurité, c'est important pour vous. Israël, une question. Jean-Louis Billon, est-ce que vous rêvez d'être président de la République de Côte d'Ivoire? On va terminer avec ça. En tant qu'homme politique, oui. 2025, 2030? Ça viendra. Soyez rassurés, ça viendra. Hein? Avec le PDCI, et nous ferons une belle offre. Satisfait, vous verrez que les Ivoiriens nous feront confiance. Ou remboursé? Remboursé quoi donc? Satisfait ou remboursé? Jean-Louis Billon, vous remercie d'avoir été avec nous sur le plateau du Live Talk. On remercie en tout cas tous les téléspectateurs pour leur fidélité à ce rendez-vous. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau avec d'autres sujets d'actualité à décortiquer. Et juste après ce rendez-vous, vous avez droit à Fazi sur nos antennes. Merci beaucoup Jean-Louis. Merci. Merci Israël. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée sur Live TV.